C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonjour Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. Vous. vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie. Alors en avril, l'agence Fitch a dégradé la note de la France et la semaine dernière, Standard Poor's, l'autre agence de notation, a maintenu la note française. On a échappé à une dégradation, mais on reste sous surveillance étroite des marchés financiers et c'est à moitié rassurant. Ce n'est pas non plus forcément une énorme surprise ni une grosse nouvelle. On sort d'une période où on a dépensé beaucoup d'argent public, c'est le quoi qu'il en coûte pour ouais. soutenir l'économie face à une crise historique, on rentre dans une phase de consolidation budgétaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, où il va falloir s'assurer que chaque euro dépensé soit un euro bien compté. On l'avait déjà fait entre 2017 et 2019, c'est-à-dire avant la Covid, on avait restauré les finances publiques, on avait sorti la France à l'époque de ce qu'on appelait la procédure des déficits publics excessifs, ça faisait 15 ans qu'on y était, on a sorti la France des déficits excessifs, on a évidemment fait le quoi qu'il en coûte et personne ne nous le reproche, maintenant il faut qu'on retrouve... La voie de la euh, allez, solidité budgétaire et s'assurer que oui. chaque euro qui est dépensé Ça va être est bien compté. compliqué. la bien sûr, c'est bien sûr très endetté comme tout le oui. monde le sait, et l'État va continuer d'investir dans la transition, dans la recherche, dans l'industrie, dans la défense, dans la recherche. L'État ne, ne veut pas augmenter les, les, les impôts, donc l'équation budgétaire, en quelque sorte, n'est pas résolue. Ah ben si, on va la résoudre. Bah, ah, J'allais dire comptablement, elle va l'être. Donc vous avez bah, effectivement oui. pour réduire les déficits trois solutions. Vous coupez dans les dépenses, vous augmentez les impôts ou vous poussez la croissance. Parce que ce qui oui. compte, c'est le déficit rapporté à l'activité. Donc nous, on a plutôt tendance à privilégier la croissance de l'activité. Vous l'avez dit en investissant dans des activités de demain, notamment l'industrie verte, j'imagine qu'on en reviendra. Ça Et sort, est... mais qu'est-ce qui rentre et on est extrêmement raisonnable sur les dépenses, où il va falloir effectivement être économe. Il faut le reconnaître, il faut assumer ce mot. On n'est pas dans une logique de rigueur budgétaire excessive. Hein, Bruno Le Maire l'a dit l'austérité, c'est pas pour nous. L'austérité, c'est on coupe tout le monde sans regarder et puis l'intendance suivra. La réalité, c'est que pour faire des économies, il faut regarder chaque ligne de dépenses et s'assurer effectivement qu'on investit dans ce qui est efficace. Donc l'investissement dans l'industrie, l'investissement dans l'aménagement du territoire, évidemment dans l'éducation, dans la santé, tout ça sont des politiques publiques qui préparent l'avenir, qui préparent notre avenir, l'avenir de nos enfants. Euh, et donc c'est aussi pour ça, puisqu'on termine doucement mais sûrement la mobilisation sur, contre la réforme des retraites, c'est aussi pour ça qu'il fallait réformer le système de retraite et s'assurer que... Pour vous, c'est collectif... plié. Mmh. Ben, en tout cas, on est plus près de la fin que du début, je veux mmh. dire comme ça. Je pense qu'on s'en rapproche, effectivement. Sauf que euh, dép euh, dépenser moins ou augmenter les impôts, euh, on sait très bien combien ça va rapporter et on est sûr que les effets sont immédiats. Tandis que miser sur la croissance, c'est évidemment euh, quelque chose de plus incertain. Non, j'entends ça. D'un autre côté, quand est, on est, est arrivé est au pouvoir... C'est sans a... doute peu, peu contestable sur le fond. Non, mais vous savez, il y a un proverbe qui dit « Trop d'impôts, tu l'impôts. Oui. » Vous vous souvenez mmh. qui dit et à oui, un moment oui. quand on monte tellement les impôts oui. que les gens plutôt que de le payer vont voir ailleurs vous êtes dans une logique contre-productive. Oui. Nous c'est moins d'impôts, rapporte de l'impôt, c'est-à-dire que depuis 2017, oui. on a baissé l'impôt sur les sociétés de 33 à 25 Résultat, on a plus de recettes d'impôts sur les sociétés qu'on n'en a jamais eu. Pourquoi Parce que face à des impôts qui baissent les investisseurs les entreprises investissent, les entreprises internationales s'intéressent à la France et vous savez qu'on investit en France plus que jamais et tout ça, ça crée de la croissance, des mmh. recettes et donc des recettes d'impôts. Donc ce n'est pas aussi mécanique que ce que vous voulez dire. J'entends que si demain on augmentait tous les impôts de 10%, on aurait sans doute pendant quelques oui. mois 10% de recettes en plus. Mmh. Et après tout ça s'étiolerait parce que le ras-le-bol fiscal, il existe. Aussi pour les entreprises qui peuvent s'investir où elles souhaitent dans le monde, pour en tout cas les grandes d'entre elles, et qui, c'est plutôt heureux, depuis cinq ans, choisissent la France. Comment expliquez-vous que Standards Poor's ait maintenu la note de la France alors que Fitch l'avait dégradée il y a quelques semaines Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose comme une dimension personnelle d'Emmanuel Macron dans l'appréciation de Standards Poor's En tout cas, quand on juge de la politique économique d'un pays... On juge à la fois des faits et des hommes. C'est oui. vrai que les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui en charge de la France, Emmanuel Macron est en charge, est à la présidence de la République depuis six ans. Il a montré une certaine constance, du courage, une capacité à réformer. Et je pense que Standard Poor's a plus, effectivement, euh, mis l'accent là-dessus, sur le fait que la réforme des retraites. C'était une bonne chose et qu'il fallait du courage pour la porter jusqu'à son terme. Moi, j'ai été. Donc, c'est une vision très aléatoire en fonction de la, de l'agence. Non, mais c'est vrai que les agences ne sont pas toujours d'accord sur on tout. Méritait pas mais le... on est quand même dans un mouchoir de poche entre les hum. deux agences. Il y a une légère dégradation de Fitch. Il y a SP qui maintient Standard Poor's, qui maintient sa notation. Mais globalement, d'abord, oui, la France est sous surveillance, vous l'avez dit, des marchés financiers. Pas des marchés financiers, c'est de nos banquiers. Ouais. Au fond. Vous l'avez dit aussi, on emprunte beaucoup, beaucoup d'argent. Tous les jours, toutes les semaines, tout le temps, on est l'économie française. C'est de plus en plus cher parce que les taux d'intérêt mmh. ont augmenté. Et donc, face à ces conditions, on se doit d'être raisonnable. Et j'allais dire, agence de notation ou pas, parce que ce qu'on peut se dire aussi, c'est que les agences de notation vous donnent un peu la météo de la veille. Ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est que vous vous êtes beaucoup endetté, il serait temps de passer à autre chose. Mmh. Maintenant, il va falloir les convaincre qu'on est capable, effectivement, de mettre... La France sur la voie du désendettement. On a un programme pour ça, ça s'appelle le programme de stabilité. Il a été présenté à Bruxelles, il a été présenté à l'Assemblée nationale, au Parlement. L'objectif, il est moins de 3% de déficit en 2027. Il est une dette publique qui se stabilise, puis ensuite qui commence à euh, décroître. Bon bah. Tout ça, c'est crédible, parce que ouais. je le disais, on a montré qu'on était capable de le faire en début de quinquennat précédent. Mmh. Maintenant, il faut le faire. Hein. C'est mmh. le projet de loi de finances, c'est le budget, etc., qu'il va falloir voter, exécuter. On va parler de l'industrie, qui est votre, votre dossier. C'est comme si on redécouvrait, enfin l'État en tout cas redécouvre l'industrie, alors qu'il y a 30 ans, c'était un, un secteur de vieilles usines. C'était plutôt un, un, vu comme un, un vieux modèle. Aujourd'hui, on, on a vu que les, les, les usines réouvraient, en tout cas, la, la fameuse... Gigafactory, euh, est-ce que mais est-ce que est, ce sont des emplois à la clé Oui. Alors d'abord il y a des gigafactories dont on parle beaucoup. Il y a plein de petites factories, si je puis dire, oui. dont on parle moins. C'est-à-dire qu'en français c'est une grande usine. Hein. C'est des très grandes usines oui. d'un côté. Parce qu'on qu parle ça, de le non, dire, mais français. vous avez raison. On peut ouais. on peut se parler en français. Mais ça, on ça, ça bien. <laughs> Giga c'est souvent des projets internationaux. <laughs> Donc vrai que on vrai bien que est en compétition avec. C'est un en terme entier, par Elon Musk, c'est ça mais pas seulement, c'est vrai que les usines Tesla sont très grandes, les gigas. Les usines de batterie, moi j'en ai inauguré une avec Bruno Le Maire la semaine dernière à Douvrin dans le Pas-de-Calais, c'est énorme, c'est des milliers d'hectares d'usines ultra modernes, donc beaucoup moins poussiéreuses que celles auxquelles on faisait référence il y a une trentaine d'années, qui créent de l'emploi, mais moins d'emplois effectivement que les ouais. usines traditionnelles. Mais il faut savoir qu'un emploi industriel, ça induit des emplois ailleurs. Ça induit des emplois dans les services. Ça induit aussi des emplois dans les services publics. On dit souvent les déserts médicaux, les classes qui ferment. Dans un territoire éloigné, si vous créez une usine, moi j'appelle ça des cathédrales industrielles. D'abord, vous créez un lieu dont les gens sont fiers. Vous créez de l'emploi, vous créez de la formation. Pourquoi ces 2-3 emplois Alors, je vais vous donner l'exemple de Voir Dunkerque. Moins. Non, mais attention, Dunkerque. <coughs> Dunkerque, ces 15 dernières années, on a perdu 6 000 emplois industriels. Dunkerque, dans les 10 ans qui viennent, on va en créer plus de 15 000. Donc c'est quand même beaucoup pour une ville qui aujourd'hui a un peu plus de 20 000 habitants. Donc on va créer de l'emploi industriel. Ça concerne évidemment pas que Dunkerque, mais l'ensemble du Dunkerquois. Et ça, ça va emmener des emplois derrière eux, des emplois de formation, des emplois de commerce, des oui. emplois de services publics, des emplois dans les hôpitaux. Si vous voulez ouvrir des classes dans les territoires éloignés, faut qu'il y ait des bébés. Si vous voulez qu'il y ait des bébés, faut qu'il y ait des parents et des papas et des mamans qui travaillent. Et l'industrie, ça crée de l'emploi dans les territoires éloignés, c'est extrêmement important. Mais par ailleurs. Ça permet de décarboner l'industrie traditionnelle, ça permet de réconcilier écologie-économie. Ce que vous pouvez dire, on va tous rouler en véhicule électrique, mais ils seront faits en Chine. Ou vous pouvez dire ce que nous on a dit, non seulement on va tous rouler en véhicule électrique, mais on va les fabriquer chez nous. Et pour fabriquer des véhicules électriques, il faut fabriquer des batteries électriques. C'est ce qui, à la fois, apporte beaucoup de valeur ajoutée, mais crée aussi beaucoup de pollution quand vous le faites au bout du monde. Ouais, L'industrie euh, aujourd'hui en France, elle représente à peu près 12% euh, du PIB. Euh, c'était 23% en 1980 et c'était 30% si on remonte beaucoup plus loin dans les années 50, c'est 22% en Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment parler d'une réindustrialisation de la France ou plutôt du commencement de la fin de la désindustrialisation Allez, je vais vous mettre d'accord avec vous-même, je dirais le commencement du début de la réindustrialisation. C'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'est qu'on a stabilisé la part. Donc, le 12% que vous mentionnez. Oui. On, du coup, mais pour stabiliser la part comme la croissance, elle, elle est là, il faut augmenter la production, augmenter les emplois, augmenter le nombre d'usines. Donc, depuis 5 ans, on a créé 300 usines de plus qu'on en a fermées. Il y a malheureusement des usines qui ferment, il y a aussi des usines qui ouvrent. Qui ouvrent pardon, ça faisait des années, des années qu'on fermait plus qu'on ouvrait. Depuis 5 ans, on a créé 300 usines de plus. Si on remet le couvert dans les 5 ans qui viennent et qu'on crée 300 usines de plus, on aura complètement gommé la désindustrialisation suite à la crise de 2008. Mais pour aller au-delà, pour aller à 22-23%, en tout cas, nous, on va déjà se donner comme objectif d'aller intermédiaire de retourner au-delà de 15%. Mmh. Il faut accélérer. Vous avez oh. raison. On a stabilisé le navire, si je puis dire. Maintenant, il faut accélérer si, la réindustrialisation. Il y a quand même eu, si on se retourne un peu sur ce passé pas si lointain, eu des, des erreurs stratégiques tout à fait mmh. Bien considérables sûr. Bien de sûr. gens qui ont dirigé la France. Bien sûr, non mais. Après, euh, on peut passer notre temps à, à, à jeter l'opprobre ou à montrer du doigt, mais il faut reconnaître les Pas erreurs il pour les corriger. Pour de, de regarder où peuvent être il les faut reconnaître quoi. les erreurs pour les corriger. On s'est voilà, dit, 30 ans de... on dit 30 pendant ans de désindustrialisation, 30 ans, on voulait une bon, France bon. de service. Vous savez, il y avait un livre qui a, qui a vendu des millions de copies, c'était un livre d'un Américain au début des années 2000, qui disait « Le monde est plat mmh. ».« The world is flat », Thomas Friedman. Il disait « Au fond, le monde est plat ». Où que vous fassiez vos biens, vous pourrez les importer. Donc allez, arrêtez de vous embêter à produire des choses chez vous si c'est moins cher ailleurs. Et tout ça va créer de la prospérité et la paix dans le monde. La réalité, c'est que de la prospérité, ça en a créé. On a sorti un milliard de gens de la pauvreté dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Mais on a... ne on peut pas dire qu'on ait créé la paix puisque la guerre est aux portes de l'Europe. Et on a surtout tiré sur les ressources de la planète comme jamais. Et on a divisé les pays occidentaux entre ceux qui bénéficiaient de ce produit. La globalisation, il y en a eu, et ceux qui se sentaient exclus, qui ont voté Trump aux États-Unis, Brexit au Royaume-Uni. Il faut le reconnaître. Le vote Front National, qui est un vote de colère, il est beaucoup dans ces territoires qu'on a désindustrialisés. Donc réindustrialiser, c'est à la fois reconnaître que le monde n'est pas si plat que ça, qu'on a besoin d'embrasser cette révolution industrielle, de la révolution écologique pour réconcilier écologie et économie, fin du mois, fin du monde et de réinvestir ces territoires, y compris politiquement. Moi, je ne me satisfais pas qu'il y ait des territoires aujourd'hui qui votent Front National par colère. Ouais. Et quand vous créez une usine, vous créez de l'espoir, et franchement, vous faites diminuer la colère. Alors justement, ce ces préfère. créations d'usines, on va prendre un exemple. Par exemple, la, 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 la société américaine Intel. Oui. Vous, vous parliez tout à l'heure de concurrence à la subvention. Intel veut euh, s'implanter, elle dit, bah ça va coûter 10 milliards, mais on va demander à la France d'investir, euh, elle, 3 milliards. Si elle va en Grande-Bretagne, elle va aller, euh, en, en Allemagne, elle va aller voir le chancelier Solt, elle dit, combien vous donnez Si l'Allemagne dit, bah moi je donne 5 milliards, à ce moment-là, c'est l'Allemagne qui remporte l'investissement. Est-ce euh, que, vous me dites hein, si, je, si, je, si je me trompe, mais c'est une sorte de dumping à la subvention Comment euh, l'Europe peut réguler Est-ce que c'est régulable Alors, c'est plutôt bien régulé en Europe. Est Ce que vous dites là, si l'Allemagne... Oui. Non, parce que les, les subventions en Europe, elles sont plafonnées. Donc l'Allemagne ne pourrait pas dire 5 milliards sur 10, par exemple. Ça serait trop. Donc chaque dossier de subvention... Ce n'est pas celui qui offre plus, qui, Alors, qui prend le Alors, en, en marché. Europe, on encadre les subventions, mais il faut en faire, c'est vrai. Euh, ST, qui s'installe à Kroll, en Isère, avec Global Foundry, qui puces, fait un investissement les... historique. C'est des puces plus, ouais. de nouvelle génération qui vont permettre d'assumer... La souveraineté française. Donc là encore, si on veut construire des voitures électriques, il faut des batteries, il faut aussi des microprocesseurs, si on a partout dans les voitures de demain. Donc un peu plus de 7 milliards d'investissements, près de 3 milliards d'argent public. Donc ça fait beaucoup d'argent. Oui, ça c'est à Grenoble. À Grenoble. Euh, et donc euh, L'État investit 3 milliards. 2,7, donc euh, presque 3. Derrière ça, j'allais dire, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Quand on parle avec les investisseurs internationaux, moi je le fais toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent nous voir. Qui vont en Allemagne, qui vont en Angleterre, qui vont aux États-Unis, qui souhaitent effectivement être bien traités d'un point de vue des subventions, comme les autres. Et en Europe, il n'y a pas de dumping. On est tous à peu près, je dirais, à, euh, euh, à la même ancienne. Pardon. Mais ce qui est très important pour eux, c'est la visibilité sur les délais et sur le foncier. Ils cherchent des terrains. Ils veulent s'assurer que si on leur promet que dans un an, ils auront leur usine, ou dans six mois, ils auront leur usine, ils pourront la construire. Oui, et ben là, on remporte le match. Et donc pendant des années, la France, c'était 17-18 mois pour obtenir les autorisations, et ensuite construire l'usine deux ans de plus, alors qu'en Allemagne, c'était deux à trois fois moins, neuf à dix mois. On a présenté avec Bruno Le Maire un projet de loi qui va raccourcir ces délais. On l'a déjà fait pour quelques usines. Il faut que ces exceptions deviennent la règle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, si un investisseur international vient voir en France, dit moi je veux installer. Une usine, de microprocesseurs, oui. demain en France. Est-ce que vous avez un terrain Oui. Et est-ce que je vais l'avoir Cette autorisation en sept mois. Ça va plaire oui. aux écolos. Oui. Ouais. <laughs> non, non, un c'est une bonne question ça parce que oui, on va oui, le faire oui. sans dégrader. Ouais les qualités environnementales mot, des, euh, des procédures. Euh, euh, on Lescure, ouais. sur votre euh, vie de ministre, les, les annonces de bonnes nouvelles sont faites la plupart du temps par euh, le ministre de l'économie, le ministre de tutelle, Bruno Le Maire, ou par le président de la République lui-même. Est-ce euh, que vous n'avez pas l'impression qu'on vous empêche d'exister Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu frustrant là-dedans Non, alors vraiment pas. Et je vous le dis, mais <laughs> alors, Pas d'ego. franchise, j'ai un ego qui est peut-être, je ne sais pas s'il est on bien en placé en ou <laughs> mal placé, on en a tous, et je peux vous dire qu'en politique, on en a tous peut-être un peu plus ouais. que la moyenne. Moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me rend heureux quand je rentre le soir, c'est quand j'ai eu des résultats. Oui. Et je peux vous dire que quand les résultats sont positifs et qu'en plus ils sont portés par le président de la République ou le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ça me rend encore plus heureux parce que, au fond, ces résultats-là, ils ont plus d'impact, ils sont plus visibles quand c'est le président qui fait une annonce que quand c'est le ministre de l'industrie. Je passe beaucoup de temps sur le terrain et ce que le président de la République a moins de temps de faire, et Bruno Le Maire également. Et donc, je rencontre beaucoup de gens dans les usines, y compris des partenaires sociaux, des dirigeants d'entreprise. Et je suis vraiment en train de, de je pense, de réaliser qu'on est en train de changer d'ambiance vis-à-vis de l'industrie, que l'industrie fait envie. Et ça, c'est en grande partie, il faut le reconnaître, grâce à une politique qui a changé depuis six ans, et qui a porté Emmanuel Macron. Donc, non, de la fierté. Évidemment, je suis très heureux quand je suis invité euh, face à des journalistes ouais. pour défendre cette politique à laquelle je crois. Mais ce qui m'importe avant tout, c'est qu'on ait des résultats. Il faut reconnaître qu'on en a eu depuis six ans ouais. et qu'on va accélérer. Un tout petit mot euh, sur la 14e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Ce sera, selon toute vraisemblance, euh, la dernière. Mais il y a une forte majorité de Français qui n'ont pas digéré cette réforme, euh, qui va les obliger à travailler deux ans de plus, qui vous en veulent d'avoir. Euh, d'une certaine manière, tirer un peu sur tous les fils de la Constitution pour éviter un vote à l'Assemblée nationale. Euh, pour votre part, vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas d'état d'âme sur cette séquence Alors non, je n'ai pas d'état d'âme sur le fait qu'il fallait la faire parce que... Euh, mais sur fait... la manière dont ça s'est fait Non, mais je veux bien qu'on critique la manière. Euh, on avait une réforme ambitieuse qu'on a portée en 2017. On a pris... Par deux par point. ans et demi ouais. avant de la mettre en œuvre. Ouais. Donc on a pris beaucoup plus de temps. Et ça s'est terminé par un 49-3 de la même manière que celle-ci s'est terminée. Les réformes de retraite sont des réformes difficiles. Dans une logique de majorité relative, elles l'étaient d'autant plus. On est passé avec un 49-3, dont je reste quand même intimement convaincu que, un, il fait partie de la Constitution, et que, deux, c'est prendre un risque. Parce que c'est mettre sur la table la confiance dans un gouvernement qui aurait pu tomber. Ouais. C'est passé à huit voix près. Ouais. Donc. Non, il fallait la faire. J'entends en revanche les frustrations qu'elle a menées. Ouais. Et donc, ça va falloir vivre avec maintenant et reconstruire sur une base où on a un peu de frustration. Merci Roland Lescure. Merci. Merci.